Bonjour à tous, bienvenue sur Culture Gaming. On se retrouve aujourd'hui sur Nintendo Switch pour un petit let's play découverte de Fledgling Heroes. Il s'agit d'un petit jeu, je suppose, un petit peu style plateforme, avec des perroquets dans l'univers pirate. Il est jusqu'au 26 mars disponible pour moins d'un euro au lieu de 20 euros. Du coup, moi j'ai craqué, j'ai eu envie de vous le faire découvrir. Donc là, je suppose qu'on est sur l'écran de démarrage. On va donc se lancer. Salut, tu sais voler ? C'est facile, il suffit de toucher et toucher. D'accord. Alors. Pardon. Ah, un bon main frais. Je pense que je devais faire quelque chose. Garde le bec haut et continue de toucher sur la. Et suis la voix. Voilà. Donc ce n'était pas la bande bleue, il fallait juste que j'arrive à rester en l'air. Vol d'essai, ni quitter. Moi ouais, je sais pas, ça m'a bien plu quand j'ai vu. Alors je sais pas si c'est répétitif, ça devient vite difficile, mais en tout cas, voilà. Pour moins d'un euro, ça valait le coup que je le tente. Bienvenue dans l'archipel pirate, mon enfant. Trouve un perchoir pour avoir une vue d'ensemble. Ok. Alors on voit qu'il y a des objets sûrement collectés puisqu'on voit deux... Je pense que c'est des plumes ou des feuilles en bas à droite. Rivage poissonneux. Donc je suppose que mon but est de toujours rester au-dessus de sa ligne bleue et pas d'aller la toucher. Ces poissons sont des ennemis. Ils volent comme pas permis. Trésor, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis en pause. Bon, ben pour le trésor, c'est raté. Alors, on va faire rejouer. Il faut que je récupère 9 pièces pour débloquer une plume. Ça n'a pas l'air facile, on est déjà au début, j'ai déjà peur. Plume, mais je me suis fait manger. Ça m'a pas l'air facile, les enfants. Ah bah, j'ai déjà raté ma pièce. Pas grave. Là, je sais pas trop comment faire pour les... Ah, j'ai tout fail. Encore pire que la première fois, je crois. Bah, c'est pas grave, on va voir la suite. L'idée, voilà. Ça peut être très sympa ou très arrache-cheveux si on n'y arrive pas. Rebondis sur le sol pour voler de tes propres ailes. Aïe, aïe, aïe. Ça, j'ai déjà peur. Mais gare aux stalactites. Mais oui, voyons, mettons des pièges pour Zabutu partout. C'est un jeu pour Kenny, ça, je crois. Ah ben, stalactite dans pleine tronche. Ça, c'est fait. On dirait les niveaux en baril. Oh, dans ton quelconque country. Ça a l'air d'être la même horreur. Au secours. Ah, par contre, j'ai pas repris au début, là. Oh, c'est pas facile, hein. Oh la vache. Les niveaux sont super courts, mais c'est pas facile du tout. Ouh, ouh, ouh. Je vais l'offrir à Kenny, il va être ravi. Et il vous fera un stream de 4 heures sur tout le jeu. Ces lézards sont des malins. Ils tiennent prisonnier ce pauvre petit lapin. Il faudra d'abord me passer sur les plumes. Lança biscuit. Occupons-nous de ces malotrus. J'ai peur. Oh. Plame. Oui, bien sûr, plame, vous ça va? Plane pour plus de vitesse, de maniabilité, rien de plus simple. Touche et maintien. J'ai peur. Ça va être l'enfer. Ah, ok, oui. M'a fait peur, lui. Oui, j'ai secouru le lapin. Par contre, les pièces, c'est l'enfer. J'y arrive pas. Hein. Ah, je pense que ça, c'était un checkpoint. Un boost, peut-être. Du coup, j'ai récupéré le lapin. J'ai eu une plume. Mettre KO les ennemis. Comment je pouvais faire ça? Ces plumes sont exactement ce qu'il te faut. Prouve que tu es digne de continuer. Quoi?
Il me faudra 3 plumes pour aller en haut. 8 plumes pour aller en haut. Bon, on y va. Niveau des verrouillés. Trouve plus de plumes. Ok. La peur. Joue un pingouin là ou... Ah non. Salut étranger, nous sommes de gentils perroquets. Qu'est-ce qui t'amène sur ces quais? Salut, appelez-moi Penny. Bon voyage, j'arrive d'une terre glacée par-delà les océans et je rêve d'aventures, de navires et de sable blanc. Je rêve de ce jour béni qui accueillera la terrible capitaine Penny. Ah, je joue le pingouin maintenant, sortir de l'eau 5 fois. Comment je fais maintenant? C'est l'inverse en fait avec elle. Ah, c'est sympa ça par contre. Oh! J'avais pas remonté, d'accord? On ne se moque pas. Oh! Eh bien, si. La prochaine fois que j'ai dans l'idée de faire un petit jeu, j'avoue, laisse tomber. J'ai peur. Oui! J'ai eu un bonus. Non! Il y avait un trésor. Ah! Un requin. Pardon! Oh, l'horreur! Mais l'horreur! Je suis désolée. C'est pas censé être une vidéo gag, mais je crois que ça va le devenir. C'est super chaud, mine de rien. Les requins ont de tout temps été craints. Accélère sans te soucier des freins. Oh non, ça va être un truc tout pourri où je vais tout le temps mourir, je le sens bien. J'ai déjà failli mourir parce que j'ai appuyé sur le bouton. Hein. Ah, tu me tires dessus. Ah maman. Sera ultra longue parce que je suis ultra flippée, mais j'ai mis des KO des requins. Au secours. Au loin, un dirigeable se dessina, arborant le mot labo sous son mât. Labo déverrouillé. Qu'est-ce qu'on fait, labo? Il y a des succès, du coup, j'ai même pas vu. On y a quoi dans le labo? On va aller voir. Hein. Eh bien, bonjour, voyageurs. Les oisillons dans votre genre visitent mon labo pour styliser leurs oiseaux et créer de nouveaux... Des... Oh, un créateur de niveau! Ça, c'est génial! Bon, faut déjà y arriver à jouer, mais... Alors, les oiseaux. Moi, je sais deux persos, donc on voit qu'il y en a d'autres. Ça, c'est cool. Un jeune perroquet audacieux et téméraire, prêt à fendre l'air. L'heure est venue de styliser ton oiseau. Touche et maintien. Ah, je peux changer les couleurs. Tu trouveras de nombreuses parlettes éparpillées dans le monde. Déploie tes ailes et ses différentes couleurs et combinaisons. Je vais mettre aussi... C'est sympa comme tout, ça. C'est très bizarre ce que je viens de faire. Hein? Terminé. Du coup, comment je sélectionne? Ah bah, je prends celui-là, ok. Et bah, terminé. Ah, faut que je ressorte du mode là, en fait. Créateur de niveau et aventure, c'est quoi? Envolez-vous vers des destinations exotiques grâce aux aventures. Le trésor est réservé aux plus braves des oiseaux. Terminez le niveau classique dans les aventures en bouteille disséminées un peu partout. Foncez à travers des niveaux hauts en couleur créés par les joueurs dans les aventures quotidiennes. Vous voulez qu'on aille rire un peu ou pas? Allez, on va faire un de chaque. Je crains le pire. Ah, je peux rien, il faut que je les déverrouille en fait. Ok. Bon, quotidienne par contre, ça... Ok, ils m'ont fait peur. Alors, lundi. Vous n'avez pas encore rencontré cet oiseau dans l'histoire. Ah, mais arrêtez d'être pas gentil comme ça.
Pas grave, on s'en fiche. Pauvre oiseau, tu vas mourir. Je suis désolée de te le dire. Ben voilà. On n'avait pas si nul que ça. Bon d'accord, c'était hyper simple. Et alors? N'empêche que je trouve ça super original quand même. Même si je galère. Même si j'ai tout fail déjà. Aïe. Non mais j'ai fait exprès parce que comme ça, ça me permettait d'aller chercher... Ah! D'aller chercher le trésor, voyons. Mais comment vous voulez que je passe là? Au secours! Aidez-moi! Vous êtes fous les gens! Vous savez que Zabou elle est nulle! Oh, s'il vous plaît, en commentaire, vous avez tout à fait le droit de rire. Mais voilà. Oh, j'ai refait celui-là! Oh, j'ai! Mais le méchanceté, vous les gardez. Hein, en ce moment, c'est un peu... voilà. On se le retente une fois pour rire ou pas? Ouais. Hein. Ah, mais... Oui, j'ai adoré. Non. Je veux pas partager mes statistiques. Non, ça ira. À chaque fois, j'oublie ici. Ah ah! J'ai réussi! Vous n'avez pas encore déverrouillé ce monde, c'est pas grave, c'est pour voir d'autres horizons. Et me ridiculiser encore plus. Bah celle-là, elle était réglée. Au secours. Fait que je fasse quoi? D'accord. Ça vous, ça va ou pas? Hein? On va peut-être sortir de là. Comment je fais? Voilà. Alors, on va reprendre l'aventure normale, c'est pas pour autant que ce sera plus facile. Rivage rocheux. Nage jusqu'au bout à ta guise. Ou envole-toi de haut en bas pour trouver les friandises. Allez, petit pingouin. Ah bah, dans le genre, j'esquive tout ce qui est intéressant dans le jeu. On se pose là. Ah, on a une palette de couleurs. Il y avait une méduse. Maintenant disponible dans l'éditeur de style. On n'a pas tout perdu. Non, mais c'était fait exprès une fois encore. Vous le comprenez. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Des fois, vaut mieux se sacrifier, avoir un bonus que... Ah, des requins! Je récupère une carte, je sais pas ce que c'est. En tout cas, mais j'aime bien. Je suis nulle. Complète... Maintenant disponible dans l'éditeur de niveau. Ah, c'est des éléments. Ouais, bon, là, on a tout chié, mais... Il nous fallait 8 plumes pour aller là. Hein. Si c'est un boss, je me tire une balle. Pourquoi il y a un drapeau dessus, hein? Il faut se lancer. J'ai réussi? Ouais! Eh ben, on va encore avancer un peu, hein. Bienvenue dans le repère des lézards. On dit souvent qu'ils sont un peu bizarres. Ah. Et pour arriver à redescendre à cet endroit-là et reprendre
Le trésor, il faut être... Ah non! Mais non, le RIP! Allez, cette fois, on a réussi à avoir la petite bébête. On a réussi. Il va y avoir de la rejouabilité, parce que dans le genre où je fail un petit peu tout ce qui était faisable dans le niveau, forcément. Allez, on se fait celui-là pour terminer. Je vais pas non plus vous révéler tout le jeu. Donc pour rappel, il est à moins d'un euro. Si vous avez une petite soirée sympa à faire et à rigoler en vous moquant de vos amis, moi je pense que ça peut être top. Alors, utilisez un bonus appelé Boost. Pardon! Je croyais que je pouvais faire avoir une interaction avec. Oh, mais j'ai tellement honte! Au secours, les enfants! Ah! Quoi? Faut que je recommence tout? Vous ne rendez pas ce que ça rendait pas compte de ce que tout ça représente. Mince, il y avait un petit lapin à sauver. Ah, j'ai loupé. Une bouteille. C'est pour le mode tout bizarre qu'on avait tout à l'heure. Oui, oui, oui. Oh, oui. Oh, il est joli. Il est canon, ce petit perroquet. J'adore. Une nouvelle aventure est disponible dans le labo. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui quand même. Voilà, c'est assez court, mais franchement, moi j'ai bien rigolé. Bon, je vous entends déjà rire. Mais si c'est vous moquer gentiment, il n'y a pas de soucis. En tout cas, moi j'ai adoré. C'est très sympa, c'est pas facile, et ça peut être vraiment marrant à faire à plusieurs. Du coup, bah, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser plein de petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien.